L'affaire du transistor piégé, elle sera peut-être renvoyée aux assises. Trois télévisions européennes, la BBC, l'ARD et Antenne 2, au secours des petites et moyennes entreprises. Iran, campagne sans précédent lancée contre la corruption. Transat française, 5 jours après le départ, le bilan des naufrages. Mesdames, messieurs, bonsoir. Avant de développer ce sous-titre avec vous, je voudrais que nous nous échappions quelques secondes dans les hauteurs du côté des prévisions de la météo, car nous voilà encore à la veille d'un week-end peu ordinaire. Demain, vendredi, en effet, veille du 1er novembre, ce demain-là est chômé dans la plupart des entreprises. Et j'imagine que nombreux sont ceux d'entre vous qui ont envie de savoir le temps qu'il va faire. Alors, Laurent Brumette va s'y essayer avec, vous allez le voir, d'un document peu ordinaire. D'abord, les prévisions générales. Oui, bien, du soleil, du brouillard, c'est le tableau général de ce week-end avec quand même quelques petits nuages dans le sud-ouest. Mais regardons tout de suite la photographie prise par le satellite Météosat. La France est dégagée, les nuages en rouge passent tout à fait au nord. Et puis sur l'Espagne, on va y revenir. Car voici ce document qui lui est transmis par l'Agence spatiale européenne. Une journée de la vie de l'atmosphère vue par le satellite Météosat au-dessus de l'Europe de 8h jusqu'à 16h dans l'après-midi à raison de 2 images par heure. Vous reconnaissez sans doute les côtes européennes, la France, l'Espagne, les nuages, vous voyez, sont en clair ou en jaune, le jour se lève et vous voyez ces nuages évoluer lentement. Nous revoyons cette animation, le ciel se dégage progressivement au-dessus de la France sort de la brume. Regardez bien un détail en bas à gauche. Ces nuages qui se développent, qui tourbillonnent au-dessus de l'Espagne, ce sont eux qui apportent de la pluie aujourd'hui sur l'Espagne et qui vont assombrir un peu nos Pyrénées demain et après-demain. Voilà pour cette animation. Donc les prévisions pour demain, eh bien d'abord du brouillard, toujours dans le centre-est, plus abondant, un brouillard qui s'en ira quand même et qui laissera place au soleil. Dans le centre, le nord et l'est, des températures assez fraîches, des brouillards givrants le matin, et puis un temps plus chaud l'après-midi. Près des côtes de l'Atlantique, du soleil avec quelques nuages et un temps doux, et puis les petits nuages que je vous annonçais sur les Pyrénées avec quelques pluies faibles. Samedi, eh bien, ce sera à peu de choses près le même temps, avec des brouillards un petit peu moins épais, et puis ces nuages qui vont petit à petit envahir le bassin aquitain, avec un temps doux et quelques ondées, ils vont progressivement remonter le long des côtes dans la journée. Voilà, mais enfin, tout de même, on peut dire que le week-end s'annonce encore et toujours assez beau pour l'automne. Merci, Laurent. Et puisque nous parlons calendrier, peu de Français, je crois, auront oublié le symbole que représente le 9 novembre, jour anniversaire de la mort du général de Gaulle. C'était il y a 8 ans, en effet. 1 millier de personnes ont assisté ce matin aux 2 messes célébrées à Colombey-les-Deux-Églises, en présence, bien entendu, de Madame de Gaulle. Madame de Gaulle qui devait ensuite regagner la capitale, car depuis quelques semaines, elle n'habite plus la Boisserie. Elle s'est retirée dans une maison de retraite tenue par des religieuses à Paris. L'autodéfense. Revoilà le dossier aux avant-postes de l'actualité. Il y a en effet aujourd'hui un faisceau d'événements qui justifie que nous nous y attardons à nouveau. A commencer d'abord par ces propos que vient de tenir le ministre de l'Intérieur. Christian Bonnet a été très net. Pas question pour les citoyens français de se faire justice eux-mêmes. En dehors des cas de légitime défense prévus par nos lois, il appartient aux forces de police et de gendarmerie et à elles seules d'assurer au besoin par les armes la protection des personnes et des biens et de déférer les coupables à la justice. Cela ne veut pas dire pour autant que les citoyens ne doivent pas faire un effort pour prévenir les actes délictueux en les rendant plus difficiles par les précautions appropriées. Ah, peut-être un rappel que pourra méditer M. Legras, un garagiste de Troyes qui avait, souvenez-vous, piégé sa résidence secondaire et dont un transistor avait explosé, provoquant la mort d'un cambrioleur. Aujourd'hui, l'affaire venait en appel à Reims. Eh bien, la chambre correctionnelle s'est déclarée incompétente. Elle juge ne pas avoir affaire à un délit, mais à un crime. Alors voilà qui éclaire d'un jour nouveau l'attitude de la justice face à ce genre d'affaires, Paul Lefebvre.
En effet, la cour d'appel de Reims a considéré que le fait d'avoir confectionné et mis en place un objet piégé, un engin piégé, est un acte volontaire et donc un crime au sens pénal du mot, et donc relevant de la compétence d'une cour d'assises. Les juges de la cour d'appel n'ayant pas le même avis que les juges du tribunal de grande instance de Troyes, qui eux s'étaient estimés compétents, vous en souvenez, qui avaient condamné M. Legras, c'est donc à la cour de cassation, la cour suprême, qui va décider soit de ne pas poursuivre l'action, c'est-à-dire en gros d'acquitter Lionel Legras, soit, et c'est ce que je pense, de renvoyer l'affaire en assises. C'est d'ailleurs ce que voulaient les avocats de Lionel Legras, mais pour une autre raison. Maître Jean Garot, je me souviens, ayant estimé au cours du procès de Troyes que son client avait toutes les chances d'être acquitté par un jury populaire. Pour ma part, je considère que le renvoi en cour d'assises de ce dossier serait un test intéressant du sentiment véritable de l'opinion publique sur le problème de l'autodéfense. Certains vont y voir, bien sûr, une réaction de méfiance envers les magistrats, et il reste réellement à prouver que cette méfiance soit fondée, mais les débats et le verdict d'une cour d'assises démontrerait si les Français sont véritablement partisans du fusil au placard, je veux dire, de la justice personnelle. Et il faut dire que ces affaires se multiplient. On l'a vu récemment à Omécourt, en Meurthe-et-Moselle, et puis dans la banlieue de Caen. Le gardien qui avait là-bas tiré sur une bande de jeunes gens qui ne cessaient de l'importuner est toujours sous les verrous. Une partie de la population, derrière le sénateur-maire de Caen, M. Giraud, demande sa libération. Alors comment se prémunir contre le vol et l'effraction sans en arriver à ces cas extrêmes? Eh bien, la police vient de donner l'exemple en ouvrant un laboratoire contre le vol, laboratoire précisément inauguré par Christian. Les vols avec ou sans violence en 1977 ont augmenté de plus de 10%. Il y a en France un vol toutes les 2 minutes 30. Les cambriolages frappent surtout les habitations principales, plus 13%, et les résidences secondaires, plus 16%. Ils touchent aussi directement les assureurs qui ont dû débourser l'an dernier à cause des cambriolages plus de 480 millions de francs. Alors, pour protéger les commerces, mais aussi les particuliers, des fabricants commencent depuis quelques années à inonder le marché avec des dispositifs anti-vol plus ou moins fiables. C'est pour tester ces matériels que les assureurs ont décidé de créer et de financer ici, à Champs-sur-Marne, avec le Centre national de protection et de prévention, un laboratoire d'essai des dispositifs anti-vol. Un laboratoire qui ne teste pas encore les dispositifs destinés aux particuliers. Exemple, un magasin de prêt-à-porter reconstitué met à l'épreuve les radars de mouvement, les hurleurs, les dispositifs de contrôle, etc. Après 6 semaines d'examen, le matériel sûr est homologué par les assureurs. Il est évident que si, par suite des moyens de sécurité qui seraient généralisés, et par suite donc d'un effort fait par les particuliers, par tous ceux qui ont des valeurs chez eux, pour se protéger, si cet effort était fait, il est bien évident que les compagnies d'assurance, enregistrant cette fois-ci des résultats de plus favorables, seraient amenées tout naturellement à accorder des rabais à ceux qui font un effort tout à fait particulier. Oui, c'est-à-dire ça coûte cher et puis ce n'est pas toujours très fiable. Affaire d'Arquier de Pellepoix suite, réunion hier soir organisée par plusieurs associations qui ne veulent pas de la banalisation du racisme et du nazisme. Et puis ce matin, pour commémorer la nuit de cristal, de bien triste mémoire en Allemagne, c'était il y a 40 ans, une cinquantaine d'anciens déportés français ont manifesté devant le domicile de Kurt Lischka, l'ancien chef de la Gestapo parisienne. Kurt Lischka qui habite à Cologne. À Cologne, où le chancelier Schmitt, en la synagogue de la ville, a lancé un appel à la réconciliation des Juifs du monde entier. La nuit de cristal, a-t-il dit, a été une étape sur le chemin de l'enfer et reste un motif d'amertume et de honte. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'hommes politiques allemands souhaitent que l'on ne fixe pas, comme prévu à fin 79, la prescription pour tout ce qui concerne les crimes des nazis. C'est en effet ce que prévoit la loi depuis longtemps, mais 3600 dossiers sont encore en souffrance. Et pour la première fois, pour Antenne 2, le ministre ouest-allemand de la Justice dit à son tour oui à ses propositions, c'est-à-dire non à la prescription de ses crimes. Je suis personnellement contre la prescription des crimes en Allemagne fédérale, et cela d'une façon tout à fait générale. Je pense en effet qu'un crime est le délit le plus grave qui soit,
s'il s'agit de la suppression de la vie d'un autre homme dans des conditions précises et de façon préméditée. Je crois que dans ces cas-là, l'État ne doit pas abandonner son droit de sanction après une certaine durée. Naturellement, et pour ce qui concerne l'époque allant de 1933 à 1945, le nombre des crimes commis est particulièrement élevé, de même que le nombre de cas qui seraient touchés par la prescription. Peu m'importe. Pour moi, il s'agit d'une question de principe et non pas de nombre. Quelle chance y a-t-il à ce que des criminels nazis puissent encore être poursuivis par la justice après le 31 décembre 1979? Je me réjouis de constater actuellement que le débat sur la prescription n'est pas un débat justifiant des prises de position rigides des partis politiques. Il y aura dans tous les partis allemands des députés qui seront pour la prescription et d'autres tout aussi honorables qui seront contre. Le débat commence à peine, on verra plus tard de quel côté penchera la majorité. Je pense tout à fait possible, quant à moi, que la majorité des députés ne soit pas en faveur de la prescription totale des crimes. Iran, toujours des inquiétudes après la disparition d'un réalisateur, Parviz Kimiavi, arrêté alors qu'il filmait les événements de lundi. Ses confrères français de la SFR ont alerté le nouveau Premier ministre. Des inquiétudes aussi, mais aussi des questions à la suite de l'arrestation de l'ancien Premier ministre, Amir Abbas Oveida, qui pendant près de 15 ans fut l'homme le plus proche du Shah, son homme de confiance. Le motif retenu, lutte contre la corruption, ne doit pas cacher qu'il s'agit sans doute aussi pour le Shah d'une perte d'influence vis-à-vis des militaires au pouvoir. À tel point qu'on a même pu voir éclore un comité chargé d'enquêter sur la nature et l'origine des biens de la famille impériale elle-même. Halte à la corruption. Ce mot d'ordre était pendant des mois dans la bouche des manifestants. Aujourd'hui, poussé par l'armée et pour calmer la colère de l'opinion publique, le Shah d'Iran le reprend à son compte et lance une campagne sans précédent contre la corruption. Pour des milliers d'Iraniens, le symbole de l'enrichissement scandaleux et illicite, c'était l'île de Kish dans le golfe Persique, un village de repos pour milliardaires fatigués. Ici, les Iraniens fortunés venaient passer leur week-end, mais aussi des émirs du golfe Persique et des hommes d'affaires européens. Des investissements fabuleux pour faire pousser le gazon, transformer l'eau de mer en eau potable et faire vivre dans un luxe climatisé une poignée d'élus. Des investissements qui ont profité à des centaines d'intermédiaires anonymes, mais aussi à des hommes haut placés comme l'ancien patron de la police politique qui vient d'être arrêté, ou même, dit-on, la famille impériale. En demandant la fin de ce genre de vie qui ne profite qu'à quelques-uns, le Shah d'Iran fait un pas vers l'opposition religieuse. Mais la corruption n'est pas le privilège de cette haute société iranienne. Elle touche aussi les petits fonctionnaires sous-payés. La campagne que lance le Shah d'Iran ne sera guère suivie des faits, mais il veut montrer que la voie qu'il entend suivre est pavée de bonnes intentions. Le point sur les grèves en France. Maintenant, à Paris, les conducteurs de Ben ont repris leur mouvement. Dans les ports, la grève des dockers lancée par la CGT a été suivie à 30%, à 90%, pardon, mais elle s'arrête ce soir. À la SNCF, en principe, après les soubresauts d'aujourd'hui, fin des perturbations pour le week-end, mais demain, deux trains sur trois seulement sur les grandes lignes au départ des gares d'Austerlitz et de Paris-Lyon. S'y ajoutent aussi quelques perturbations sur les lignes de banlieue, mais en nombre limité. Enfin, des grèves doivent reprendre au PTT, à l'appel de la CGT et de la CFDT, qui organiseront donc des grèves tournantes entre le 20 et le 23 novembre. Voilà pour le chapitre grève. Au chapitre manifestation, ce qui est parfois différent, celle du SNESUP et des syndicats de l'enseignement supérieur, qui vient de s'achever, un malaise qui couve depuis la rentrée. Celle aussi des producteurs de porc, dont je vous parlais hier soir, plus de 7000 manifestants dans la seule ville de Pontivy, en Bretagne. C'est dire la sensibilisation du monde paysan à ce problème. Tous ces éleveurs de porcs étaient présents à Pontivy pour réclamer des mesures d'urgence contre la crise porcine, très durement ressentie en Bretagne, première région productrice de porcs en France.
De multiples accrochages ont eu lieu avec les forces de l'ordre alors que les manifestants arrosaient la sous-préfecture avec du lisier, des jets de pierres et de bouteilles. Il y a plusieurs mois que les éleveurs bretons sont au bord de la faillite. Le marché des porcs est un marché cyclique qui connaît régulièrement des hauts et des bas. Et cette année, les producteurs français pouvaient s'attendre à des cours élevés. Mais ce n'est hélas pour eux pas le cas. La distorsion de concurrence qui existe entre les producteurs des différents pays de la communauté, ces pays-là ont développé considérablement leur production. La Hollande, par exemple, a développé de 14% sa production et l'Allemagne de 6%. Si bien que tout cet ensemble de production se retrouve aujourd'hui sur le marché communautaire et de ce fait-là, nous sommes déjà en situation de crise sans avoir connu ces cours élevés que, logiquement, nous aurions dû connaître aujourd'hui. J'ajoute que la plupart des dépôts de carburant en Bretagne et dans les Pays de Loire ne sont plus bloqués par des piquets de grève. Politique, conférence de presse du chef de l'État le 21 novembre, une conférence de presse pas comme les autres. Cela ne se passera pas à l'Élysée, mais à la Maison de la Radio. Et c'est l'association de la presse présidentielle qui, pour le 50e anniversaire, son 50e anniversaire, a invité Valéry Giscard d'Estaing selon la méthode américaine. Le RPR accuse M. Robert Fabre de plagiat. Claude Labbé et Jean Falala, qui sont président et vice-président de ce groupe, l'ont accusé de se livrer à un plagiat en ce qui concerne ses propositions pour l'emploi. Un sondage du Figaro Magazine et de la Sofres, la lutte contre le chômage demeure et de loin la principale préoccupation des Français. Ils sont toujours aussi sceptiques quant à l'efficacité des moyens utilisés par le gouvernement dans sa lutte pour l'emploi. Malgré cela, je ne sais pas trop si vous pouvez le lire, mais 6 Français sur 10 continuent à faire confiance au président de la République qui a rappelé que la situation s'était assainie. François Sérac, lui, a emboîté le pas ce matin. Si le redressement économique est en bonne voie, a dit le président du CNPF, il reste fragile. Et François Sérac te rappelait les 3 priorités sociales du patronat. Nous avons conclu 42 accords au moins de bas salaire entre juin et juillet. Et il s'agit maintenant de les appliquer. Deuxièmement, en ce qui concerne la durée du travail, nos négociations sont en cours. Notre objectif, vous le savez, c'est plus de souplesse dans le cadre annuel pour les entreprises et des jours de congés supplémentaires pour les salariés. Comment expliquez-vous sur ce point les résistances des syndicats? Vous savez, nous vivons dans un système qui date de 36, c'est-à-dire 42 ans, et qui a fortement marqué, si je puis dire, les hommes d'aujourd'hui. Il faut faire un grand effort de changement et de renouvellement, et ceci suppose un approfondissement objectif et serein de ces problèmes. Et puis une troisième négociation sur l'indemnisation du chômage. C'est ça. Alors, pourquoi voulez-vous rendre les 90% dégressifs? Pour deux raisons. D'abord, tout le monde est d'accord pour dire que 90% d'indemnisation par rapport au salaire perdu, c'est trop. Et ça a des effets que tout le monde condamne. Deuxièmement, parce que ça crée une disparité trop grande entre ceux qui ont 90% et ceux de la base qui ont 35%. Notre proposition, par conséquent, c'est de diminuer le sommet et de reporter l'économie sur la base. Nous proposons 90% pendant 3 mois, puis 80% pour les 3 mois qui suivent, 70% pour les 3 mois après, et enfin 60% pour les derniers 3 mois, et de reporter tout ceci sur la base en permettant de passer de 35% à 42% d'indemnisation minimum. Est-ce que vous êtes fixé un objectif d'ici la fin de l'année? Ah bien, pour l'indemnisation du chômage, il serait souhaitable qu'un accord intervienne dans le courant du mois de novembre. Pour la durée du travail, à mon avis, il n'y a pas de date impérative, mais si on le pouvait, un accord intervenant avant la fin de l'année serait une chose très souhaitable. Économie toujours, hier soir je vous annonçais le lancement d'un grand concours à destination des PME, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises, concours européen puisque Antenne 2 y est associée, ainsi que la BBC, la chaîne anglaise, et l'ARD, une chaîne allemande. Alors, comment ce concours? Pourquoi d'abord ce concours, Louis Bernier? Écoutez, l'idée c'est que dans le cadre, vous savez, des élections européennes, l'année prochaine, on va beaucoup parler de l'Europe, et singulièrement des entreprises et des économies. Donc nous avons voulu, par cette opération, mettre l'accent notamment sur les petites et moyennes entreprises, qui sont celles qui doivent relever, en gros, le défi de cette grande bataille économique que le monde se livre actuellement. Alors, les modalités du concours? Écoutez, les modalités, elles concernent, ce concours concerne les entreprises qui font en dessous de 100 millions de chiffre d'affaires. Donc, ça en représente pas mal.
Et puis, c'est la Sofinnova, c'est-à-dire un établissement financier qui est spécialisé dans ces entreprises performantes, qui jugera les dossiers. Alors, les critères, c'est quoi? C'est les produits nouveaux, la capacité d'exportation, l'innovation sociale, en gros, tout ce qu'on demande aujourd'hui à une entreprise. Alors, qui dit concours dit prix, forcément? Alors, le prix, ce n'est pas un prix, à proprement parler, c'est une participation de la Sofinnova pour le gagnant. Et ce prix est de 1 million de nouveaux francs. Enfin, cette participation, 1 million de nouveaux francs. Et c'est pour chaque pays, ça. Avec vous, Claude Guénière, qui est notre correspondant à Londres, comment ça s'est passé? Bien, hier soir, la BBC a lancé, comme vous l'avez fait également, ce concours européen au cours de son émission Monnaie Programme, qui est une émission d'économie diffusée chaque semaine et depuis 10 ans par BBC 2, la deuxième chaîne de télévision britannique. Et dont voici le générique et le présentateur annonçant hier le concours. Good evening. Tonight we launch the European Company of the Year Award. There's £100,000 for the winner and a chance for a small company to get into the big business league. Voilà donc le Philippe Stassier anglais. Alors comment ça se passe en Angleterre? Il y a beaucoup de PME autant qu'en France? Bien, il y a 1,5 million de petites entreprises qui sont donc intéressées par ce concours. Et l'ensemble de ces entreprises participent à 24% à peu près de la richesse nationale du pays, c'est-à-dire 24% du produit national brut. Autrement dit, de toute façon, nettement moins qu'en France. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on veut donner de la vigueur. Comme Louis Berriot le disait à l'instant, ce sont les petites économies qui participent au dynamisme d'une économie, les petites entreprises. Alors, vu d'Allemagne maintenant, Michel Meyer, une PME, ça se présente comment? Y en a-t-il autant qu'en France, par exemple? Eh bien, vous savez, en France, l'Allemagne, c'est le pays des concerns, c'est le pays de Krupp, c'est le pays de Thyssen, c'est le pays de Siemens, etc. C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai dans la mesure où, effectivement, en Allemagne, il y a énormément d'entreprises moyennes et petites qui assurent quelque chose comme le tiers des exportations, ce qui est considérable, et qui occupent plus de la moitié des Allemands. Ces entreprises sont très inventives, très agressives également sur le plan commercial, et toutes les idées, toutes les innovations qui arrivent des ateliers ou des bureaux de ces entreprises moyennes et petites, sont systématiquement utilisées, articulées et transformées en production que l'on s'efforce de vendre et singulièrement à l'exportation. Alors concrètement, comment va se passer le concours chez vous? Eh bien, ce concours va se dérouler dans le cadre d'une émission qui s'appelle La Bourse aux Inventeurs, une émission qui était d'abord limitée à la région de Francfort et qui maintenant s'étale sur l'ensemble de l'Allemagne. Cette émission fait l'apologie du sens pratique de l'invention et de l'astuce. On y présente aussi bien la douche pour canaris inventée par un petit garçon de Hambourg que des pare-chocs amortisseurs découverts dans la région d'Ulm. Cette émission va donc présenter les inventions et à travers la télévision, elle permettra à ces inventions d'acquérir une certaine crédibilité de façon à ce que leurs inventeurs puissent en profiter dans la mesure où ils pourront revendre leurs idées à l'industrie. Merci Michel, nous retenons la douche pour canaris et de toute façon, je vous rappelle que ce règlement, le règlement de ce concours, est publié aujourd'hui par le Nouvel Économiste et par l'Usine Nouvelle. Et bien voilà peut-être une entreprise que nous pouvons donner en exemple aux futurs candidats de notre concours sur le PME, l'une des plus florissantes, Matra. Oh bien sûr, c'est loin d'être une PME, plus de 5000 employés. Mais dans les méthodes qui lui permettent cette prodigieuse expansion, certaines sont sans doute des leçons à retenir pour les entreprises de toute taille. Des satellites. Des transports en commun automatiques. Des automobiles. De l'armement et spécialement des missiles. Voilà entre autres ce que fabrique Matra. 5000 personnes, il y a beaucoup d'entreprises plus puissantes, il y en a peu de plus profitables. En bourse, l'action a gagné 500% en 6 mois. Qu'est-ce qui fait réussir Matra? Première recette, bien visible pour qui sait regarder, ici sur ces images, dans ces ateliers, il y a très peu de matières premières, pas tellement d'énergie, mais beaucoup de technologie et beaucoup de matières grises. Espace, électronique, optique, automatisme et système de contrôle de toutes sortes, Matra attaque systématiquement tous les secteurs de pointe, là où il y a beaucoup de valeur ajoutée. Là aussi, où très peu de pays sont en concurrence. Mais cela n'explique pas tout. Toute entreprise est tirée d'abord par les hommes qui y travaillent. Il s'agit... Mardi, je vous l'ai dit, je crois. Ici, c'est le comité exécutif, autrement dit les patrons. Eux et les quelques centaines de cadres de l'entreprise
Les concurrents les appellent, non sans malveillance, les matraciens, laissant entendre qu'il s'agit d'une race un peu à part. Ce qui est sûr, c'est que tout dans l'entreprise concourt à créer un esprit maison. Lorsque les hommes, les ingénieurs par exemple, sortent des grandes écoles françaises d'ingénieurs, ils sont tous les mêmes. Mais c'est vrai que celui qui choisit de venir à Matra est peut-être différent de celui qui choisit d'aller ailleurs. Il se fait de notre société une certaine image. Je pense que cette image est juste, c'est-à-dire l'image d'une société dans laquelle il y a une équipe qui veut se développer, une équipe qui veut gagner. Ça veut dire une équipe de gens qui viennent d'abord pour se battre, qui admettent qu'une part importante de leur vie sera la part qu'ils passeront activement dans leur travail, dans la société. Bon, est-ce que tous ces hommes qui ont sans cesse à l'esprit l'idée de compétition, est-ce qu'ils ne finissent pas par développer une certaine agressivité? Est-ce que c'est pas difficile d'avoir une équipe soudée avec cet esprit finalement agressif en permanence? Il faut être agressif. Nous sommes dans un monde de compétition. Pour gagner, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut être agressif. Et à chaque échelon, je veux trouver des patrons, des gens qui pensent comme des patrons et qui, à leur niveau, sont véritablement des patrons. Ils ont une délégation pour une certaine chose, ils sont des patrons. Effectivement, ça me rend très heureux dans mon travail. Si ça vous passionne et si ça remplit toute votre vie, est-ce que vous n'avez pas des problèmes sur le plan familial? Non, je n'ai pas du tout de problème sur le plan familial, car à ce niveau, dans toute ma famille, personne ne me voit travaillant ailleurs qu'à la Matra. Même votre femme ou vos enfants sont heureux que vous soyez là? Oui, non seulement heureux, mais fiers de ce fait. Il y a une fierté aujourd'hui d'être Matra. Voilà, des secteurs à valeur ajoutée maximum, d'autres où la demande n'est pas prête de faiblir, et puis des gens que l'on a intéressés à ce qu'ils faisaient. Reste à savoir si la recette est reproductible. Eh bien, restons dans les concours et les prix avec la rubrique littéraire et la remise de l'une des plus prestigieuses récompenses, c'est-à-dire le prix de l'Académie française. Cette année, deux auteurs se le partagent, Pascal Jardin pour son roman Le Nain Jaune chez Julliard, et puis Alain Bosquet pour son très bel ouvrage Une mère russe, paru chez Grasset. Deux romans qui se ressemblent d'ailleurs un peu. La page sportive maintenant voile avec la première transatlantique française qui gardera dans le souvenir de ses participants le parfum des aventures mouvementées. Dernier exemple en date, le naufrage de Marc Pajot. Hier, nous l'avions laissé en situation bien difficile. Eh bien, depuis, il s'est réfugié à bord du bateau venu à son secours, le bel espoir du père Jaouen. Et il espère tout de même pouvoir sauver son catamaran. Marc Pajot, ici, qui coule au milieu de l'Atlantique. Jean-Pierre Millet, qui fait haut au large des côtes bretonnes. Yvon Fauconnier, en rade à Brest. Pierre Fellman, avec le plus grand trimaran jamais construit, qui dans un premier temps fait demi-tour et qui au milieu de l'Atlantique se met à la cape pour se reposer. Chez Blyce, en panne de pilote, Eugène Riguidel victime d'un accrochage avec un ferryboat. Un Hollandais, Venmans, dont le bateau fait un tour complet sur lui-même. Philippe Poupon et son Pendwick qui fait route vers les Açores pour réparer son pilote automatique. C'est le premier bilan de la transatlantique française des divers accidents et incidents intervenus après 4 jours de course. Autre constatation, en tête de la course on trouve 3 hommes, le Canadien Mike Birch, 46 ans, l'Américain Phil Wells, 64 ans, et Alain Colas, 35 ans. Tous les trois sur des bateaux confirmés. Preuve que l'expérience évite bien des problèmes. Les hommes, jusqu'ici, n'ont pas souffert. L'essentiel est donc préservé. Mais la course ne fait que commencer. Il faut maintenant traverser l'Atlantique. Les images sont, je vous le rappelle, celles du catamaran de Marc Pajot. Football maintenant, France-Espagne. Un rappel, puisque vous l'avez vécu en direct hier soir, c'est à la 40e minute que le Parc des Princes a explosé. Lorsqu'à la suite d'un coup franc de Rocheteau, le Strasbourgeois Specht a trompé le gardien de but espagnol. Je vous laisse revoir et mieux voir même ce but à ralenti. 1-0, le score en est resté là. Les Français terminent donc l'année sur un succès. Heureux peut-être, mais encourageant. Et puis pour terminer cette édition, des images insolites que vous avez déjà vues peut-être dans C'est la vie, mais qui sont vraiment formidables. C'est une nouvelle méthode pour endormir les gros animaux. Plus de piqûres anesthésiantes, mais des pinces qui, bien placées, peuvent provoquer, et sans réaction douloureuse, l'équivalent de l'hypnose. Une méthode, vous allez le voir, dérivée de l'acupuncture. Regardez bien. Si ça part. Alors c'est une technique d'immobilisation par pincement de la peau
qui est extrêmement simple puisqu'elle consiste à placer des pinces de ce type au niveau de l'épine dorsale de la vache. Technique tout à fait indolore, comme le prouve la mise en place de cette pince au niveau de ma main. Alors, les pinces sont placées directement au niveau de la peau de l'animal, en commençant au niveau du garrot. Une première pince est placée à ce niveau, une deuxième légèrement plus bas, et vous pouvez constater que la vache s'affaisse. Et on continue en plaçant quelques pinces, toujours au niveau de la peau du dos. Voilà. Alors la vache est en décubitus complet, et pour pouvoir achever l'immobilisation, on place quelques pinces au niveau des épaules et de la peau du thorax. Voici. Voilà. Alors la vache est totalement immobilisée, comme vous pouvez le constater, puisqu'on arrive à la placer sur le dos, absolument sans aucune difficulté, ce qui serait strictement impossible sur une vache non immobilisée. Et puis Calmejeanne a téléphoné, elle galope toujours en ce moment. Deux mots de la météo pour vous rappeler ce que nous disait Laurent Bromède au début de la présente édition. Demain, soleil après les brouillards du matin et puis quelques nuages sur les Pyrénées. Gérard Rolls vous présentera la dernière édition de la rédaction d'Antenne 2 aux environs de 22h35, me dit-on. Merci de votre fidélité, très bonne soirée à l'écoute de nos programmes et puis je l'espère à demain.